Bon, allez, je me lance. Je vous fais une petite visite du jardin. Ah ouais, je suis sûre, vous allez adorer. Alors, eh ben la glycine, elle a gelé. Donc, pour l'instant, on n'a pas de fleurs. On aura peut-être bientôt des feuilles. Heureusement, comme toutes les glycines, elle est remontante. Donc, on va avoir des fleurs au mois de juin, j'espère. Le chèvrefeuille, il s'est effondré. Il était trop lourd, donc voilà, il est par terre, mais on s'en rend même pas compte. Le cerfeuil sauvage est en train de fleurir. J'adore. Oui, c'est une mauvaise herbe, mais chez moi, elle a une place de choix. Voilà, on se le dise. Hein. Si vous aimez pas, faut pas venir. Les bonbonnes, mesdames Jeanne, les bavardes, je les appelle. Elles discutent toute la journée, elles entendent tout et elles ne racontent rien. Je les adore. Alors, groseille, on va se régaler, je vous le dis. Un joli tapis de pâquerettes au milieu de la pelouse. J'adore. L'oranger du Mexique, un peu poussif. Lui aussi, il a eu un peu froid. Et puis, pour rien vous cacher, le jardin a soif. C'est quand qu'il pleut. Bon, les benoîtes, la mélisse, tout ce petit monde-là est en train d'exploser. Je les laisse. Bientôt, les nolim et tangérées. Vous savez, ces petites gousses qui explosent quand on les touche, elles aussi, elles attendent qu'une chose, c'est de pousser. Un deuxième tapis de pâquerettes devant l'atelier. La monnaie du pape est en train de terminer sa floraison et les graines vont bientôt se former. Vous connaissez la monnaie du pape? J'adore. Vous voyez les écus là? Voilà, c'est la monnaie. Mon petit bassin va bientôt être trop petit, puisque la prêle, les joncs, tout ce monde-là devient de plus en plus nombreux. Je ne sais pas s'il y aura de la place pour les nénuphars, les pauvres. Et voilà, ici, on rentre dans le jardin potager en permaculture. Jardin, je ne vous cache pas que j'ai fait en co-création avec les êtres élémentaires sur le principe de Père Elandra. Et là-dedans, il y a de la vie, moi je vous le dis. Et alors, en ce moment, il y a uniquement les aromatiques, puisque, voilà, je vais faire un jardin médicinal avec essentiellement des plantes aromatiques. Bon, bah, je vous ferai une petite visite la prochaine fois. Là, il est à l'ombre, c'est un peu dommage. Mais je peux vous montrer. Alors là, c'est les toilettes sèches, hein, on est d'accord. Voilà, l'atelier. Et je vous invite à visiter l'atelier du jardin. Voilà, c'est là que se passe aujourd'hui les stages de cyanotype. Tout y est. La bassine, enfin la baignoire, pardon, en zinc pour rincer. Les vitres pour sécher. Le banc pour exposer. Et la table pour s'installer. Alors, je vous dis à bientôt dans mon jardin. Bonne journée.